Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un petit match de Blood Bowl avec cette fois les Nanas Jaunes, qui sont donc une équipe d'Amazon. Donc c'est un match de la ligue officielle, hein, sur l'Open Ladder officiel, que j'ai réussi à choper pour une fois avec quelqu'un d'autre que les Kikour. Et on est donc parti, donc on va jouer je crois contre des morts-vivants. On va voir un petit peu comment ça se passe. On va tester un petit peu le jeu des Amazones, enfin... tester. Jusqu'ici, des matchs que j'ai fait, les Amazones, c'est les seuls que je joue, que j'avais joué régulièrement. Donc du coup, je les connais un peu. Mais on va un peu vous montrer comment ça se passe. Alors, ouais, j'ai l'impression que mon ventilateur fait un petit peu de bruit dans mon micro, je suis désolé, j'avais remonté un peu. Mais il fait hyper chaud, donc du coup, j'ai dû mettre un petit peu d'air parce que c'était pas possible. J'espère que ça ne dérangera pas trop, normalement si je parle ça devrait aller. On verra. Alors, on a le toss, donc on va bien sûr attaquer. Alors, mort-vivant. Donc il a deux momies. Ah, je me souvenais pas que les morts-vivants pouvaient prendre deux momies carrément. Ah oui, mais c'est pas des big guys. C'est pas des big guys les momies, c'est juste des grosses brutasses quoi. Donc il a du zombie, des revenants. Qui sont des genres de blitzers, ouais, c'est plutôt les blitzers, les ghouls, c'est plutôt ceux qui jouent la balle. Et donc les zombies, c'est le 3 quarts tout pourri, tout pété. Mais ils ont quand même tous régénération, ce qui fait que quand ils sortent, si je peux le voir, merci. Quand ils sortent, ils ont une chance en fait de se relever tout simplement. Alors nous, de notre côté, on a les Amazones. Alors les Amazones, leur particularité, c'est que... elles ont toutes esquive, en fait, tout simplement. Donc du coup, ça permet de jouer d'un jeu assez, bah pas aérien, mais assez léger, entre guillemets, quoi. Dans le sens où elles sont tout à fait capables de se sortir de situations un petit peu tendues, de traverser des lignes ennemies en faisant des esquives, etc. Donc bon, elles ont quand même que 3 d'agilité, hein, donc c'est pas non plus, c'est pas non plus la folie. Mais physiquement elles sont pas dégueulasses hein, pour les combats et elles peuvent du coup faire des stratégies de on va dire d'esquive relativement construites. Et en plus elles tombent moins souvent du coup, forcément. Alors c'est parti pour le botage. On va faire un petit GLAF. Chandelle, parfait. Alors, on va mettre une de nos receveuses en dessous. Donc les Amazones ont des blitzeuses, receveuses et des lanceurs. D'ailleurs, du coup, oui, c'est peut-être plutôt une receveuse que j'aurais dû mettre en dessous, parce qu'elle est douée pour ramasser la balle, pas pour la... et la lancer, pas pour la recevoir. Mais non, je me suis un petit peu loupé. C'est pas grave, on va commencer à taper un petit peu. Donc ici, on a du zombie très basique. Ouais, j'ai un peu merdé mon placement parce que du coup, en fait, on a quindé un peu partout. C'est malheureux. C'est parti, on va commencer par taper un petit peu sur les zombies. Si on les sort, ce sera toujours ça de fait. Hop là, un petit KO, nickel. 8 d'armure qui pète direct, ça fait plaisir. Alors ici, on a bien sûr également que un dé, donc du coup on va se rapprocher. Et ben on va relancer du coup. On repousse. On va poursuivre cette fois, on va être un petit peu en renfort. On va tenter un petit ramassage de balles. Oh là là, qui ne passe pas, c'est tough. Pourtant, on a des compétences pour ramasser, hein, normalement, mais bon, visiblement. Enfin, quoique non, on a une compétence pour passer, pas pour ramasser. Donc, on a juste raté un 3+, voilà. Et on se retrouve, bah, du coup, un petit peu mal placé, bien sûr. Hein. Donc, les morts-vivants en face ont des joueurs. Oh, ça, c'est du blitzer classique, 3-3, 8 d'armure, quand même assez costaud. Pas des big girls mais des piliers on va dire. Ils ont direct châtaigne, 5 de force, il va falloir absolument qu'on reste pas au contact avec eux.
9 d'armure, hein, on aura beaucoup de mal à les faire tomber et à les blesser, donc on va essayer d'éviter de rester au contact. Après, ils ont très peu de mouvement, c'est la bonne nouvelle. Mais bon, du coup, là, ouais, j'ai un peu craqué mon placement, malheureusement. J'ai mal compté encore mes trucs. Donc là, on est par contre sur un avantage d'Amazon. Une esquive. Et il va se poser sur la balle, bien sûr, logique. Elle est proche de ses lignes, hein, donc il a toutes les raisons de rusher dessus. Donc la ramasser, c'est peut-être un peu just. Mais par contre, me gêner pour que j'ai encore plus de mal à la ramasser que je ne l'ai déjà, ça a tout à fait du sens. Alors, du coup, il met pas mal sa défense. Il reste. Il fait une défense correcte, on va dire. Donc ça va être à nous d'essayer de faire tomber ce mec, ou au moins de l'éloigner. Ok, ça ne donne rien. Il continue de me pousser dans les pattes de ses joueurs, hein, il est pas con. Alors, il faut qu'on amène du renfort. On va garder cette lanceuse-là démarquée. Donc du coup, on va essayer d'amener du renfort avec d'autres personnes. Par exemple, avec lui. Ici, c'est quoi qu'on a? C'est une blitzeuse qui pourrait complètement blitzer celui-là. Donc ici, on va amener du renfort. Ici, on va... le blitzer, c'est pas idéal, j'aurais préféré le blitzer vers ce sens là, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, malheureusement ça ne suffit pas, il est juste repoussé, tant pis. Il reste encore sur la balle. Du coup c'est un 4+, le ramassage, donc on ne va pas tout de suite tenter ça, on va essayer de se placer avant. Ici, on va venir... foutre un petit peu la grouille en ramattant du monde. Ici on va se placer dans le coin. Ici on va reculer. 3+, hein, c'est moins pire que autre chose. Donc là on a du 3+. Donc on va le prendre. On essaie de pas rester au contact tout simplement parce que ça, c'est dangereux de rester au contact avec des Amazones, on a que 7 d'armure. Donc on essaye d'être en surnombre, mais de limiter les chances qu'il a de taper. Et bah pour limiter les chances qu'il a de taper, il faut pas être collé à lui tout simplement. Ok, donc on tente un ramassage à 4+, c'est pas ouf, mais ça peut passer. Ça ne passe pas, donc on va pas relancer, hein. Ça ne sert à rien. Ah, la balle est très mal tombée par contre. Enfin, très mal tombé. Ça aurait pu être pire, mais elle tombe entre ces deux joueurs. Il aurait pu la ramasser, ça aurait été pire. Et c'est quand même pas le scénario idéal. J'avais mis des gens autour et malheureusement, elle a réussi à partir complètement de l'autre côté. Notamment cette goule là qui a quand même moyen d'aller la chercher s'il me blitz. Voilà, s'il me blitz comme ça par exemple. Il va assurer le coup en marquant mes joueuses. Hop là. Donc là, ouais, il ramène du monde sur la balle, normal. Voilà, franchement, les ramassages... ça commence mal avec cette équipe. On est quand même sur du pas de bol plus, quoi. Ah, je vais tomber en plus. Hop là. Donc du coup avec lui il va pouvoir complètement aller chercher la balle avec aucune zone de tacle. On va voir si lui son 3+ passe. Lui son 3+ passe bien sûr, ce serait pas drôle sinon. Voilà, donc du coup c'est la fête. On était en attaque, on se retrouve en défense dans la merde. Ça c'est toujours très chiant bien sûr.
Ok, alors, quelles sont nos possibilités? Nos possibilités, c'est de taper déjà sur ce mec. Pour pouvoir se rapprocher de la balle. Oh là là, mais c'est ouf! Oh là là, mais c'est absolument ouf! Purée, quoi! J'en reviens pas! C'est un truc de malade. Bah, on va se placer, on va faire une défense. Hein. Quelles sont ses possibilités ici? Il y a quand même beaucoup de monde, donc il peut pas passer par là, il va devoir passer par ici. On va se rapprocher un peu. Ici, on va aller là. Bon, est-ce que on a la possibilité de faire un jet potable? Merci. C'était pas gagné. On poursuit. Bordel. Est-ce qu'on peut blitzer ici? C'est pas ouf. Est-ce qu'on peut blitzer ici? C'est pas ouf non plus. Là, ça fait beaucoup de mise de paquet. Ici, il faut qu'on sorte des pattes de la saloperie. Là. Donc, on va esquiver un petit peu. On va aller se mettre un petit peu en soutien ici. On va blitzer comme ça. Ils ont esquive aussi hein, les ghouls, donc on peut pas le faire tomber, mais on va poursuivre pour aller mettre un petit peu de zone d'attaque quand même. Par acquis de conscience, donc ici il faut qu'on sorte des pattes de cette grosse saloperie, si on peut. Ça passe. On va rester un petit peu ici quand même en couverture. Et toi ce serait bien que tu t'en sortes également s'il te plaît, merci beaucoup. On est assez faible sur ce flanc, elle peut tomber assez facilement, on va essayer de la reculer. Voilà, ça passe. Et on va s'arrêter là. Bon, reprendre la balle, ça va pas être facile. Hein. Clairement, il est bien protégé. La goule, faut la faire tomber, elle a esquive, hein, c'est comme nous. Et une fois qu'on aura éventuellement réussi à la faire tomber, il faudra encore qu'on arrive à ramasser la balle, parce que visiblement pour l'instant ça va être le challenge du match, ça va être de ramasser la balle quoi. C'est un peu chiant mais bon, c'est la vie. Alors un petit blitz avec mise de paquet, très bien, il préfère mettre le paquet avec son revenant qu'avec sa boule. Ah bah ça fail. Bon après moi j'ai déjà cramé mes deux relances, lui tranquille quoi. Hein, donc, du coup, voilà. On sent direct que ça va être un match avec un petit peu de sel dedans, quoi. Il va être facile, il va être tout subtil, tout en douceur. Donc il me fait tomber ici, pas trop de suspense, hein. On s'attendait pas trop à autre chose en même temps. Par contre, il va être obligé de faire des esquives s'il veut avancer. Non, il va dans une cage ici. Alors, la cage avec les momies, c'est clair que pour la faire tomber, va falloir se lever tôt par contre. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout. Ouais, ça va pas être facile. Là, nos options vont être relativement limitées. Ah, il m'agresse. Ok. Carrément. KO, bah ouais, bah, du coup, bien joué. Bien joué, bien joué. Et il est pas sorti. Donc, enfin, il n'a pas été exclu. C'est bien joué, du coup, effectivement. Donc là, on va se relever. Ici, on va se relever et on va s'éloigner. Donc, du coup, on ne va pas le faire tout de suite. Quelles sont nos possibilités? Bah, pas grand chose. Hein. Malheureusement, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà placer une défense. Voilà, une défense relativement éloignée, avec nos joueurs, receveurs, lanceurs et tout, qui sont pas là pour se battre. Ici, on va se placer là, pour éviter un éventuel rush plus ou moins en diagonale. D'ailleurs, on va même plutôt se placer ici. Ça me semble mieux. Toi t'es qui? T'es un 3 quarts. T'es un 3 quarts. Donc du coup, déjà, est-ce qu'on pourrait avoir des jets de dés intéressants? Pas des masses.
elle est libre. Elle est libre pour aller blitzer des trucs. On a que des 1D, hein, c'est un peu chiant. Ouais, et puis là, je peux même pas. Je peux juste essayer de blitzer lui, je peux même pas m'infiltrer dans la cage, quoi. C'est pas ouf, clairement. Mais tant pis, on va le faire quand même. L'idée, c'est de l'empêcher d'avancer, hein, tout simplement. Ses ghouls sont à l'arrière, donc il est pas trop en situation non plus d'avancer de 20 cases par tour. Ah, ici, un dé contre un bloc, c'est tendu. Ici, c'est beaucoup plus avantageux. Voilà, on le fait tomber, on ramène un peu de renfort. Et là, c'est déjà plus intéressant. Parfait. Hop. On va rester. Pas besoin de le poursuivre plus que ça. Voilà. Bon. On monte une défense. Parce qu'on peut malheureusement pas faire beaucoup mieux. Ouais, casser sa cage avec les deux momies devant là, ça va être bien tendu quoi. Bien bien tendu. Mais bon, bah on va essayer hein. On va essayer de le faire. Il glisse pas avec ses momies, ça c'est une assez bonne nouvelle. Il pourra totalement le faire. Bon, en même temps, il a pas forcément d'urgence à le faire. Hein. Ouais, il me fait tomber, donc du coup, je vais manquer de mouvement pour contourner. Faut que j'arrive à contourner d'un côté ou de l'autre, en fait, hein, tout simplement. Parce que c'est derrière qu'il est plus faible. Oh, beau petit passage ici. Il va s'infiltrer, ce qui va m'obliger à le marquer. Parce qu'on a un 3 quarts dans le coin qui pourrait faire ça. Ouais, on a que des receveurs, bon bah on marquera avec un receveur s'il faut. Hein. Parce que il y a quand même possibilité de faire des passes, hein. C'est du 3 d'agilité, ça peut le faire. Ça peut tout à fait le faire. Ok, là il blitz ma blitzeuse avec un dé. Pourquoi pas, il me met des zones de tacle pour m'obliger à lancer des dés. Voilà, là, aïe aïe aïe, ça pique, un petit sonnet, Frida est sonnée. Alors, comment ça va se passer? Mouais. Pas bien à mon avis. Ici, on est limité en mouvement, ici, pareil, si on essaie de se barrer, c'est de la merde. Après, on peut taper sur celui-là. Pour essayer de libérer notre joueuse. On va déjà marquer celui-ci. On va se relever ici. Face à la momie, on n'a pas peur. Ici aussi, face au mort-vivant, on n'a pas peur. Donc là, on a quand même 2D6. Il y a moyen de faire un truc sympa. On y va. Hop, on poursuit. Oh! Pas mal, petite blessure, ça fait plaisir. Un œil crevé sur un squelette, c'est ballot. Donc sa régénération a réussi, donc du coup il rejoint les remplaçants au lieu d'être blessé, ça c'est un des effets des morts-vivants. Donc on aurait un blitz ici, qu'on pourrait tenter. Pourquoi pas, on va déjà essayer de s'éloigner un peu. On va aussi tenter de blitzer ici, c'est pas forcément une mauvaise idée non plus. On va tenter un blitz à un dé ici pour aller coller le porteur de balles, ça le fera un peu chier d'avoir du mec dans le dos. Il y a une mise de paquet qui passe et on la repousse. C'est toujours ça de prix. Hop là, on vient au contact. On vient au contact, ça c'est cool. Ici on va ramener un peu de renfort sur cette goule là. Alors quelles seraient ses possibilités ici? Il peut complètement essayer de se barrer comme ça, donc on va se mettre là.
Voilà, et toi, on va te mettre ici. Voilà, ça me paraît pas mal vu comme ça. Vu d'ici. Ouais, ça m'emmerde d'être en défense pendant mon tour d'attaque, mais que voulez-vous, on rate tous nos jets de ramassage, bah on ramasse pas la balle du coup, hein, et quand on ramasse pas la balle, bah on attaque pas. C'est très con, mais c'est comme ça. Donc là, il a pas réussi à me faire tomber, par contre, il va pouvoir faire un trou dans ma... ici, là, dans mes zones de tacle. Et ça, c'est ballot. Ça, c'est ballot, parce que du coup, là, il va pouvoir courir, effectivement. Ouais, bah il est comme moi, hein, il peut tenter des esquives. Alors il tente pas, on dirait, de passer. En même temps, il serait un peu tout seul, hein, mais bon, il est pas non plus très loin de la zone d'embut. Là, l'idée c'est de m'éloigner, logique. Donc on commence à avoir des joueuses à l'arrière de ces trucs, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va éventuellement avoir la possibilité de faire des trucs sympas. Voilà, l'esquive avec le revenant, ça se tente. Ah, ça s'est raté. Ça s'est réussi. L'armure qui craque. Bon, ça va, c'est juste une sonnette. C'est juste une sonnette. C'est pas trop pire. Bon, là par contre. Ah, c'est la goule qui tape là. Ok, pourquoi pas. Ouais, ça la permet de se dégager de ses zones de taxe, pas con non plus. Puis il sait que je vais probablement pas me rapprocher parce que là. Il y a la momie. Je dis elle parce que c'est une momie, mais je sais pas du tout quoi. Je sais pas du tout qui est en face. Donc ici, il va falloir qu'on blitz direct. Alors non, avant de blitzer direct, on va aller mettre des gens dans ses pattes. Si jamais il décidait de courir. Donc là, il pourrait me taper là, me blitzer ici. Donc du coup, ce qu'on va faire... Ah ouais, mais j'ai pas envie de laisser cette goule tout seul. Ici, il a quand même un bon potentiel de déplacement, cet enfoiré, là. Ouais, bon, bah tant pis. On va essayer de se rapprocher de lui. On va blitzer là. Avec une blitzeuse. Il y a moyen que ça passe, ça passe. On arrive à le faire tomber cette fois, c'est nickel. Donc on poursuit, bien sûr. Pour pouvoir se coller à lui. Ouais, du coup, on a un petit trou, donc on a la possibilité d'aller mettre plusieurs zones de tacle dans ses pattes. Ce qu'on va faire avec un grand plaisir. Alors ici, il faudrait qu'il fasse le tour de ce cadavre là, ce qui est plutôt bien. Ce qui veut dire qu'on peut aller mettre un petit peu de renfort là. Elle, faudrait qu'elle sorte de ses pattes, mais si elle sort de ses pattes, c'est pour aller où? C'est un peu la question, quoi. Ici, on va faire une esquive pour s'éloigner. Ici, on va rester ici pour l'obliger à faire des jets pour avancer un peu de ce côté-là. Parce que elle, si je fais ça, enfin voilà, c'est un peu le drame. C'est un peu le drame, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre là. Voilà. On va s'arrêter là. Il avance petit à petit, hein. Il avance petit à petit. C'est ça qui est chiant. Et en plus, il va être à l'attaque après la mi-temps. Donc là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On a un trou de ce côté-là. Mais je joue sur le fait que les corps, en fait, tout simplement, vont faire un mur. Voilà. Donc là, du coup, il n'y aura pas de corps. Donc il va pouvoir se faufiler comme ça, s'il a envie. Ah, ça y est, il blitz avec la momie. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait plus tôt, hein, en blitz avec ses momies. Alors, où est-ce que tu m'envoies? Par ici, très bien. Il poursuit, très bien. Donc là, faut quand même qu'il se sorte de pas mal de zones de tacle pour réussir à passer. Ici, il peut éventuellement avancer, mais bon, pareil, une passe derrière, c'est pas non plus trivial, quoi. Alors, il va se faire une cage là, visiblement. Il n'a pas envie de tenter de se faufiler.
préfère faire des cages. Alors là, on a une belle cage, hein, les revenants, les momies. Ça va une fois de plus être difficile à faire tomber. La petite goule qui me crie dessus avant de s'enfuir, quoi. C'est juste gratuit. Ah, les deux au sol. Est-ce qu'il relance? Non. Très bien. Très bien, très bien. Alors, quelles sont nos possibilités? Nos possibilités, c'est déjà de relever elle. Ensuite, nos possibilités, ce serait d'amener du renfort sur ce revenant-là. Ah non, là, c'est de la merde. Pour essayer de passer. Ici, bah, il faut qu'on se mette devant. Hein. Pas trop le choix. Si on tente une esquive, ça passe. Ici, on va se mettre là. Au milieu. C'est peut-être plus facile quand même de mettre de la du renfort sur celui-là. Par contre, pour blitzer d'après, il faudrait que j'aille jusqu'ici, que je fasse ça. Ouais. Ça peut le faire. Toi, t'es une blitzeuse. Toi, t'es un 3 quarts. Donc, du coup, toi, tu vas plutôt te mettre là. Alors pour l'instant je laisse totalement libre cette goule, hein. je peux pas faire mieux malheureusement pour l'instant. Tout ce que je peux faire c'est lui mettre des zones de tacle et espérer qu'à bout d'un moment il rate son esquive. Pour l'instant c'est pas le cas, donc bah du coup c'est ballot j'ai envie de dire. Ici on essaie de se séparer, parfait. Et vous voyez on a plus de joueurs pour s'occuper d'elle, donc bah du coup elle va rester libre. Donc si jamais il arrive à la passe là, bah on l'aura dans l'os. Après on a des gens sur le chemin, donc on pourra tenter des interceptions. Voilà, là il va faire un trou et il va marquer. Je pouvais pas faire mieux de toute façon. Donc là il a un boulevard. Hein. Il va peut-être essayer de mettre quelques bâches avant parce que bah, c'est gratuit de mettre des bâches bien sûr. Donc là c'est notre chance éventuellement, s'il met un bash et qu'il se rate, et ben éventuellement on peut s'en tirer quoi. Il a essayé d'enlever ma zone de tacle, il a échoué, ça c'est une bonne nouvelle. Il va être obligé de faire une esquive quoi qu'il arrive. Et elle passe, donc c'est bien joué. C'est bien joué. On a fait ce qu'on a pu. Ah bah c'est un français en face, tiens. Avec un nom de joueur comme ça, j'avais pas fait gaffe. Bon, bah les KO reviennent. Donc on est reparti. Ouais, bon bah là ça va être un tour où on va lui taper dessus. Hein, donc on va taper sur du zombie à la con. Rien de fou. Je suis super déçu. Enfin franchement, on a raté une réception, deux ramassages de balles. Ça nous fout dans la merde quoi, enfin c'est abusé, franchement c'est abusé. Alors, toi t'es quoi? T'es un 3 quarts, je veux une blitz s'il vous plaît, voilà, on va faire un truc comme ça. On va quand même se protéger contre un éventuel résultat de blitz à la con lors de l'engagement. Donc on va pas faire nimp. Voilà. Allez, c'est parti, on va taper sur ces corneaux là. On tentera peut-être un blitz sur un revenant s'il y a moyen, mais c'est vraiment histoire de. Ah, on gagne un pot de vin gratuit. Tant mieux. Donc les Amazones sont mobiles, mais elles peuvent pas marquer en tour, hein, c'est pas possible. Du coup. On va taper à la place. Même si ils sont très difficiles à faire tomber, parce que déjà faut passer l'armure et en plus après ils ont une chance de se relever. Ils ont une chance de se relever quand ils sont sur le banc quoi. Mais bon, on sait jamais. Ça peut éventuellement passer.
Et là, c'est clair que un petit un petit surnombre hein, serait pas mal pour la mi-temps d'après, hein, bien évidemment. Même léger, hein, même un seul, serait toujours ça de prix. Et ben non, ça ne sera pas le cas. Allez. On va le laisser faire son dernier tour aussi. Donc il va avoir ses mandales. Ah bah lui ça passe. Fingers in the nose et KO. Bon après les Amazons donc 7 d'armure, hein. C'est normal que pour le coup les armures passent plus facilement chez lui que chez moi. Ça c'est logique. Allez, ramène un peu de renfort, vas-y, cogne. Hop là. Ici, il a aussi moyen, puis faut pas oublier qu'il a un blitz. Il peut tout à fait blitzer là avec sa momie, là, elle est à portée. J'essaie de me souvenir que les momies ont 3 de mouvement et que du coup ça peut être intéressant de rester loin. Bon, même si visiblement il aime pas trop blitzer avec, je sais pas trop pourquoi. Parce que bon, elles ont quand même la possibilité de blitzer toutes seules avec 5 de force. Ah, elles ont pas blitz, elles ont pas blocage quoi, mais par ça, y a rien de. Y a rien de fou quoi. Alors là, il relance sur une action non décisive parce que bah, tout simplement c'est la mi-temps et que il va regagner ses relances quoi, donc il s'en fout. Et comme on a un petit pot de vin, une petite agression, c'est gratuit. Allez hop, c'est vrai que j'y ai pas pensé. J'aurais pu agresser, bon en même temps j'aurais agressé des zombies, c'était pas fou. Ça servait pas à grand chose. Un petit dé, ça ne donne rien, nickel. Bon, du coup ces actions n'ont pour l'instant rien donné, c'est cool. Ça aurait été pas mal qu'il crame son pot de vin par contre. Ça aurait été vachement sympa. Notre KO ne revient pas, bien sûr. Bon, bah du coup, on est en défense. Et ça pue un peu des fesses. Donc on a nos trois quarts qui sont là, c'est parfait. Les receveuses, bah elles vont faire leur vie. Hein. On a vu qu'ils pouvaient très facilement traverser, donc il va falloir qu'on se fasse une double ligne. Tu vas là ou tu vas pas là? Non, tu t'en fous de ta vie. Le serveur ne répond pas bien. On a vu aussi que ces ghouls passaient très facilement les zones de tacle. Donc ça c'est le côté un peu chiant. On va pas se coller à la ligne parce qu'il va me mettre des joueurs dans les pattes direct. Donc on va se contenter de faire une défense de ce genre en deuxième ligne ici. Ici aussi. S'il te plaît. Merci. Ça c'est une blitzeuse et ça c'est une blitzeuse. Hein. Ici on a quoi? Une blitzeuse, une receveuse. Où sont mes trois quarts hein? Voilà, s'il te plaît. Un trois quarts sur le côté là. Ce serait agréable. On a trop de joueurs hein, sur la deuxième ligne, je le sais. Ici on va se mettre sur la même ligne pour éventuellement permettre d'éviter d'avoir trop de renfort sur le joueur en cas de blitz. Et elle on va la mettre derrière pour aider en cas de besoin. Voilà, bon, c'est pas très... Voilà, c'est mon placement. On va dire ça comme ça. Bon, c'est un match qui est pas facile, hein, une fois de plus. Avec des jets bien pourraves. Je peux pas vraiment dire le contraire. Ok, il monte une bonne grosse ligne des familles. Il va peut-être visiblement plutôt essayer de passer par là. C'est vrai qu'on a un 3 quarts et une receveuse ici. On a deux blitzeuses ici. J'ai un peu déséquilibré. Là, j'aurais dû foutre une blitzeuse là. C'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. Ça
ça va pas tomber non plus. Ils ont quand même 3 de force, hein, mais... C'est vrai qu'il y a une petite compétence blocage dans le tas, ça aurait pu aider. Alors, il met ses ghouls en triangle, très bien, un petit peu décalé sur ce côté-là. Hop là, on botte. Il gagne une relance, c'est la teuf, décidément. Un botage presque parfait. Hein, c'est tombé exactement là où on voulait. Mais bon, bah... Ça aurait été mieux que si c'était tombé au fond, bien sûr. Allez, il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'arrive pas trop à me faire tomber. Pour l'instant, ça se passe bien. Ces momies, à mon avis, vont taper un petit peu plus fort, hein, même pas. Ça passe. Ah, 3D, là, ça pique par contre. Hein. Boum! Ah, une blessée pour Grendon, elle venait juste de revenir de son chaos. Rate le prochain match. Ouais, non, on va prendre, on a des remplaçants, on peut se passer d'un joueur pendant un match, en plus surtout en 3 quarts. Alors, qui va-t-il blitzer? Une receveuse. Ce qui serait cool, c'est qu'il lâche ses jets, parce que du coup, on a un... il rate un jet là, puis que bam, il a un turnover. Bon, avec 4 relances, c'est peu probable quand même. Mais on aurait eu un bon petit potentiel d'aller faire un genre de contre-attaque là sur la droite. Bien évidemment, c'est assez peu probable. Hein. Ce soir, on a des jets de dés parfaitement en phase avec l'adversaire, on va dire. Il va réussir son ramassage. Non, il loupe son ramassage. Ça, c'est très très bon, ça, par contre. Alors, quelles sont nos possibilités? On pourrait pas aller la ramasser. Enfin, faudrait qu'on fasse des trucs, mais... Par contre, on peut imaginer des trucs. Alors, on voit qu'il s'est quand même placé là, au cas où il rate son ramassage. Hein. C'est pas con. C'est un très bon placement. Sincèrement, je le trouve très très intelligent, ce placement. Donc l'idée ce serait de blitzer lui et après de pouvoir courir ici, foutre la merde. Ici on le mettrait éventuellement, on n'a pas un 3 quarts dans le coin qui sert à rien, et nos 3 quarts sont malheureusement là. Ce serait bien de foutre un 3 quarts dans les pattes de la momie pour éviter qu'elle nous fasse chier. Ici on va se placer là. On va quand même pas négliger la défense hein, parce que... pas non plus faire nain, puis si on a une petite esquive à faire. Ici on n'est pas trop mal en défense, même si là ça peut péter. Après voilà, il peut pas non plus faire des folies. On va tenter ici un blitz pour pousser ce mec hors de notre chemin. Hop là. Bon bah on le repousse tout simplement, mais c'est déjà ça de pris. Il sera quand même plus dans notre chemin. Un peu moins en tout cas. Et ici on va se contenter d'aller se mettre juste là. Ramasser la balle, voilà, hein, c'est sûr. Il faut mettre le paquet, une esquive, un ramassage. Enfin, c'est pas gérable pour l'instant. Alors ici, j'ai pas envie de laisser autant de joueuses quand même dans les pattes de la momie. Donc on va essayer de s'éloigner un peu. Nickel. Ici on n'est pas trop mal, ici notre défense est très faible, donc on va se rapatrier. Alors on va déjà essayer de... Non, on va rapatrier elle. Ici. Pas trop éloigné. Bon la momie après c'est vrai, je me dis, hein, faut mettre des joueurs dans ses pattes, mais en même temps elle a que 3 de mouvement, donc elle n'est pas non plus... C'est pas non plus oufissime. Ici on tente une esquive avec notre petite receveuse, Banana. Nickel, là on est bien, là ça tombera pas, ici il y a un trou potentiel quand même, donc on va se placer par ici. Non, on va même se placer par ici pour éviter trop des jets de dés trop désagréables. Ici il y a un trou potentiel également, mais là on ne peut rien y faire. Si on peut éventuellement se mettre hors de portée de la momie, en se mettant ici,
On va se mettre là. On n'est pas hors de portée, mais déjà, on est un petit peu plus à l'abri. Voilà, on va faire un truc comme ça. Il faut qu'il se débarrasse de moi, ici, pour ramasser la balle. Donc il va être obligé de bouger des joueurs. Oui, d'ailleurs, ça aurait peut-être été intelligent de rester dans ces pattes-là, d'ailleurs. Je n'ai pas pensé. Pourquoi il fait ça et pas ça, je ne sais pas. Il veut absolument me repousser de l'autre côté, c'était risqué, mais ça passe. Donc ce que j'ai pas tenté de faire tout à l'heure, à savoir faire le grand tour pour repousser son mec ailleurs que sur la balle, bah lui il l'a fait et ça a payé. Donc voilà, du coup, je m'en souviendrai pour une éventuelle prochaine fois. Donc là il commence à se faire une petite cajounette. Allez, rate-toi encore une fois, ce serait tellement agréable. Non, bah non, voilà. On peut pas, voilà, c'est... Face à un adversaire qui réussit ses jets quand nous on les loupe, on peut rien faire, hein, tout simplement. Y a pas d'autre mot, hein. Là il va faire une cage, on a vu tout à l'heure que les cages avec les piliers autour, c'est hyper difficile à percer. En plus derrière, il réussit tous ses jets d'esquive même si on arrive à infiltrer les gens. Bah voilà, à un moment, tu peux pas faire de miracles, quoi. Tu peux pas faire de miracles, tout simplement. Aïe aïe aïe. Voilà, les esquives qui passent, aucun problème. Pas de stress. Une agression, ça quel pot de vin. Si j'arrive à faire tomber un truc un peu moins, un peu plus intéressant qu'un zombie, je tenterai une agression, hein, puisqu'on a un pot de vin, mais je vais pas tenter une agression sur un zombie, quoi. C'est complètement con. Donc ici on va reculer. Ici on va tenter une esquive. Ici on va ramener du renfort sur le revenant. Et on va tenter de faire un petit trou dans sa cage déjà. Ça me paraît être le premier truc à essayer. Ça, voilà, ça c'est de la merde. C'est de la merde, mais bon, puisqu'on l'a, on va le prendre. Ici, bah, non, ici on va rester. Il n'y a pas trop d'intérêt à faire autrement. Ici, une petite esquive quand même pour aller se mettre dans son dos. Et lui rendre un petit peu plus difficile la tâche d'avancer sa cage. Lui, pour l'instant, il est bloqué là, il a un peu d'esquive. Il faudrait qu'on s'éloigne d'une case de la momie, ce serait pas mal. Ici aussi. Voilà, c'est pas mal. Ici, on va se mettre là pour bloquer un peu le chemin. Puis, bah, pas grand chose d'autre. Hein. Est-ce que ici, ça vaut le coup qu'on amène un renfort là? Ça va faire un trou. Hein. Ça va faire un gros trou. Non, bah non, de toute façon ça sert à rien de lui taper dessus. Hein. Il va amener du renfort avec sa goule autour d'après et puis il va retaper. Donc, notre objectif ce serait de reprendre la balle pour contre-attaquer, mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Quelles seraient nos possibilités? Faut passer les momies. Il y a lui là qui est un peu moins fort, mais voilà, enfin c'est une ligne, donc je peux apporter personne en renfort. Faudrait que je colle deux personnes à la momie pour qu'elle me fasse pas de trucs et après j'aurai un dé. Ça serait pas. Enfin ça serait pas ouf quoi. On voit bien, il prend même pas la peine d'amener ses zombies pour aider, hein. Il y va direct avec un dé, il s'en fout. Il y a un zéro de toute façon, il tente des trucs. Ça passe, lui c'est jet bien sûr. Une petite sonnette, parce que pourquoi pas. Donc du coup il va pouvoir plus ou moins décaler sa cage d'une case, voire se faufiler, pourquoi pas. Non, il peut pas se faufiler là où est son machin. Alors le mauvais mouvement est tenter une esquive avec une momie, franchement, ça serait top. Bon, ça serait abusé pour lui, hein, mais ce serait top. Allez, on se place mon gars, fais ta cage. T'as des joueurs de libre, fais-toi plaisir, je t'en prie. De toute façon, je pourrais rien y faire. Il va amener ses zombies, il va fermer sa cage. Non, il prend un bash comme ça.
pour le plaisir. Là, il me repousse, hein. C'est toujours ça qui ne pourra pas aller lui taper de super derrière. Hein. Tiens, intéressant par contre, il a décidé de pas le mettre là, son joueur. Donc là, il va amener du renfort, il va taper. Normal. On a peut-être une opportunité sur la gauche. On va regarder ça après. Elle résiste bien, c'est cool. Ouais, on a peut-être une opportunité par là. Bon, après, faudrait qu'on amène des gens pour aider, quoi. Mais c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qu'il est possible de faire. Donc, on va faire en sorte d'amener un petit peu de monde. On va faire les jets un peu moins risqués. On va faire les mouvements un peu moins risqués. Non, il y a une mise de paquet, c'est pas ce que je voulais faire, bordel, voilà, forcément. C'est absolument obligatoire, hein, sinon, voilà, en plus ça va foutre la merde parce que elle va devoir faire un tour encore plus grand. C'était un très mauvais mouvement de ma part, là. Très très mauvais mouvement de ma part. Et ben tant pis, on va se venger sur lui pour la peine. Ça ne donne rien. Bah du coup on va tenter quand même hein. Voilà, j'ai envie de dire deux mises de paquet, pas de stress, on y va. On le repousse un petit peu, pof pof, tranquille, on poursuit. On est collé à la momie, lui il est tranquille derrière, pas de stress. Ici on pourrait tenter une esquive mais ce serait de la merde. Ici ce serait mieux. Quoique non, je suis con, il va avoir un boulevard là. Ouais non, ça c'était une mauvaise idée ça. Bon, je suis un petit peu fatigué on dirait, aujourd'hui. Je fais des mouvements un peu merdiques. Ouais, enfin, honnêtement, il y a aussi l'énervement qui joue. Clairement, là, enfin franchement, c'est abusé. Enfin, ses gestes sont abusés, il rate quasiment rien, ses esquives passent, ses ramassages passent, ses jets de blocage passent, enfin... À un moment, tu peux rien faire, quoi. Là, il va dégager celui-là, il va dégager celui-là, puis il pourrait courir. Limite, franchement, avec l'agence qu'il a, il pourrait courir tout seul avec sa gauche, j'aurais même pas l'arrêter, quoi. Bien sûr. Oh là là, Canary est morte. C'est un 3 quarts. Non, non, bah c'est un 3 quarts, ça coûte 50k. On va tant pis, on va la prendre. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont leur super compétence, les morts-vivants. Quand il y a un joueur qui meurt, il récite un zombie quoi, gratuitement. Donc Canary est maintenant un zombie, voilà. Elle avait pas d'XP, c'était un 3 quarts lambda, son premier match, tant pis, elle est morte. Bah, vous me donnerez dans les commentaires un nom de joueur pour remplacer Canary, si vous voulez. Sinon on la fera revenir, tant pis. Voilà, pas de stress. C'est combien de mouvements ces saloperies hein? 7 de mouvements, ouais, en plus ils sont beaucoup plus rapides que mes Amazones, donc... Ah non, là franchement sur ce match, à part bad luck, y'a rien d'autre à dire quoi. Regardez ça, tous ces jets passent quoi. C'est ouf. Hein. Combien de jets il a raté depuis le début du match quoi. Alors ok, j'ai 7 d'armure, mais quand même, y'a un moment, c'est un peu abusé quoi. Les seuls trucs que j'ai réussi à faire tomber, c'est des zombies. J'ai pas réussi à ramasser la balle, j'ai raté mes réceptions. Voilà, c'est Blood Bowl, hein. Voilà, je vais pas dire le contraire, mais c'est quand même abusé.
c'est le petit match énervant là de fin de soirée. Ouais, il va mettre des joueurs sur le chemin. Oh, une esquive qui rate, dis donc. Impressionnant. Oh, une esquive qui re-rate, dis donc. Doublement impressionnant. Alors là, par contre, on va se tenter une agression. Il n'y a pas photo. Donc ici, on se relève. Ici, on se rapproche. Et on agresse. Sur du 8+. C'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Ça me donne rien. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Toi, tu pourrais éventuellement blitzer. Mais bon, il faudrait du renfort, bien sûr. Donc déjà, il faudrait annuler ce mec. L'idéal, ce serait que toi, t'arrives là. Fastoche. On va déjà essayer de faire un truc du genre. Une petite esquive. Qui passe. Donc ici on a dit une petite esquive, une mise de paquet, allez on y croit, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et puis on tente de la faire tomber, voilà. Faisons ça comme ça, avec un 3 quarts. Ça ne marche pas, bien sûr, ce sera trop facile. On poursuit, bien évidemment. Toi, bah écoute, tu vas juste... essayer de pas rester couché à côté de mecs qui vont te faire des agressions comme des connards. Voilà, merci. Et toi, tu dois nous faire une petite agression. Ah oui, non, c'est vrai, on peut faire qu'une seule agression par tour, c'est bien triste. Tu vas essayer d'aller marquer celle-là, parce que pourquoi pas. Ça le forcera à faire des jets qu'il peut éventuellement rater s'il veut faire quelque chose pour aider son porteur de balles. Alors que le zombie là, il sert plus à rien pour le match à part taper, hein. Aïe aïe aïe, c'est pas facile. Je crois qu'on a fait tomber une fois un revenant, et la seule autre fois où le mec est tombé, c'est quand il a raté un de ses 200 jets d'esquive. Alors, normalement, sauf à faire des esquives, il peut pas enlever le support de ce joueur là. Fait qu'ici il aura toujours des dés. Voilà, donc là il tente une esquive qui passe. Et bien sûr, il me fout à terre, hein. Ce serait pas drôle sinon. Il va me tuer, non, même pas. Ça échappe pas mal. Une petite mise de paquet pour aller là, oui, là pour le coup ce sera un risque un peu inutile, mais pourquoi pas. Je pense pas qu'il puisse se débarrasser d'elle, hein. Là, ouais, si, il doit avoir 2 dés, là. Quoique, non, lui donne pas de force. Non, il doit avoir 2 dés, du coup. Il doit avoir 2 dés, donc ça se tente. Ici, il s'y met à 3 zombies pour taper sur... qui c'est, qu'est-ce qui, sur Banana. Ça ne donne rien, c'est cool. Bon, il a quand même libéré un zombie. Là il tente le point qui passe. Ouais, c'est pas facile, hein. Franchement là. Alors deux joueurs en moins, trois joueurs en moins, enfin on avait une remplaçante donc on a du coup deux joueurs en moins. C'est pas grave, on est en attaque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va taper sur ces zombies. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, hein, tapons sur ces zombies. Hein. On va laisser les lanceuses ici histoire de dire voilà, pof pof pof. On tente une infiltration et tout.
Ouais. Ouais. Ça va pas être facile. En plus, on n'a même pas des events sympathiques. Oh, on a réussi à prendre la balle, dis donc. Je suis positivement impressionné. Toi, tape-moi sur ce zombie. On peut éventuellement marquer un touchdown avant la fin du match. On va essayer de pas le gâcher. Ouais, tombe. Et ici, on tape encore un coup. Ça passe. On va poursuivre, ça nous fait des petites opportunités, des mini débuts de cage. Alors du coup, tu peux aller jusqu'où toi ma chère? Tu peux aller jusque là, donc ce que tu vas faire... Sa défense est totalement symétrique, donc pour l'instant on va aller au centre, c'est encore là que c'est le plus faible. Pour l'instant bien sûr. Il faut qu'on monte une cage autour de cette dame. Donc nos caches seront bien sûr beaucoup moins impénétrables que les siennes avec des momies, hein, mais tant pis. Il faut ce qu'il faut. Là on va se replier ici pour renforcer un petit peu la cage. Et on va garder une receveuse de côté. Bah non, elle est beaucoup trop exposée ici, en plus elle a portée de blitz dedans. On va la mettre là. Éventuellement on essaiera de faufiler une receveuse de l'autre côté si on peut, si on voit une opportunité. Et de lui faire une passe, on verra. Parce que là on va quand même avancer assez lentement je pense. Ça va pas être facile de... Il va nous faire un mur hein, avec ses momies ici. Peut-être des revenants sur les côtés ou en face, mais il va y avoir un mur de joueurs. Ça va être juste ingérable quoi. Voilà, là déjà, il commence à faire une cage autour de la cage. Alors, quelles vont être nos possibilités? Ici, on a une receveuse qui est à peu près libre. Il décide de laisser personne derrière. Pour l'instant, en tout cas, il a visiblement plutôt confiance dans sa force de frappe. Alors... Qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Ici, c'est ici qu'il y a le plus de mobilité, donc il faudrait qu'on parte du coup de l'autre côté. Ici, on a la possibilité d'aller mettre un petit peu de renfort là. Là, on pourrait blitzer avec une esquive, une simple esquive. Ah ouais, une esquive à 4+, quand même. Ici, c'est pareil, c'est à 4+. Ici, on est sur du 3+, par contre. Donc tant pis, on va blitzer avec elle, ça me plaît pas trop, mais on va dire que ça va passer. Oh là là, on fait tomber une goule, dis donc, impressionnant. Si elle veut bien tomber, allez serveur, réponds. Oui, on poursuit. Oh. Écorcheur de chair, c'est celui qui a marqué les touchdowns. Ah non, c'était un dévoreur de je ne sais quoi, celui qui a marqué les touchdowns. Ici, ah oui merde, putain je suis con en me mettant là, non merde, ah là là je vais devoir faire une mise de paquet, ah. C'est mieux, donc ici on peut essayer de s'infiltrer un petit peu avec une receveuse par là-bas, ça va lui faire une petite menace sympathique, nous on va aller ici avec notre balle. Donc là, il a une mobilité relativement réduite sur ce côté-là. Il a lui qui peut éventuellement faire des trucs.
Ici, il a une possibilité de blitzer, hein. Donc on va s'éloigner d'une case par là. Voilà, ici il a une possibilité de blitzer, mais non, c'est pas gérable. Là non plus, donc on va prélever quelques personnes qu'on n'a pas envie de voir mourir, par exemple une personne comme ça. Voilà. Puis une personne comme ça. Ah, cette fois ça ne passe pas, malheureusement. On ne peut pas relancer nos esquives parce que comme on a la compétence esquive, on a une relance automatique. Par contre, du coup, si on rate, eh ben, on ne peut pas utiliser de relance, quoi, tout simplement, de relance d'équipe. On est quand même plutôt bien protégé. On est quand même plutôt bien protégé, on n'a pas trop moyen normalement de se faire défoncer aussi sec. Par contre, il faut encore qu'on avance, hein. C'est pas non plus trivial. Là, il y a une grosse mêlée, mais il y a des joueurs dans les pattes, donc il y a moyen que ça m'handicape un peu. Après, il peut faire des 6 sur tous ses jets, et puis voilà, hein, aussi, c'est aussi une possibilité. Hop là. Voilà, un petit 6. Vas-y, fais-toi plaisir, mon gars. Ici, j'aurais pu agresser sa goule, plutôt qu'essayer de me faufiler et tout. Honnêtement, ça me lourderait de le faire, même si je la blesse. Ouais, ok, j'aurai l'XP, mais franchement, je préfère essayer de marquer un petit touchdown propre, quoi. Voire me prendre une contre-attaque pas propre, sait-on jamais. Donc là, il tente un blitz, ok, très bien. Ça passe pas. Il relance. Ça repasse pas, nickel, et un petit KO, ça fait plaisir. Ça c'est cool, c'est très très cool. Alors ici, bah c'est un peu la merde, on va quand même relever les joueuses, même si elles ont un potentiel de se faire défoncer les fesses assez important. Ici on aurait la possibilité de blitzer avec une lanceuse, ou alors blitzer avec une blitzeuse éventuellement, ce serait plus propre, pour libérer elle. Ouais, on va tenter un truc comme ça. Forcément, ça ne marche pas, parce que sinon ce serait trop facile. Bah écoute, tu vas le pousser, puis tu vas rester du coup, hein, tout simplement. Et tu vas aller... Est-ce que je pourrais... Non, bah si, non, non, tu vas poursuivre, tu vas aller là, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Tu peux rien faire d'autre, de toute façon. Alors ici, si on veut passer, voilà, on a masse d'esquives, du coup, c'est la merde. On va sortir une esquive parce que c'est marrant. Hop. Ouais, c'est quand même vachement triste cette histoire. Ici, on a une lanceuse. Où est mon autre receveuse? Elle est là. Mettons qu'on voulait l'envoyer par là. Non, c'est merdique. Ouais, je suis un petit peu blasé par mes différents jets de dés. Mes esquives passent plutôt bien sur ce match. Je vais pas dire le contraire. Par contre, le reste. Franchement, on se fait chier, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. On va avancer, mais de toute façon, voilà, c'est l'avant-dernier tour. Il faudrait que j'avance absolument si je voulais que ça passe. J'aurais peut-être dû blitzer lui plutôt. Mais bon, de toute façon, lui était dans mes pattes aussi, donc. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, on va faire un truc comme ça. Elle est peu, elle peut pas aller jusqu'à la ligne de but. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, non, elle peut pas aller jusqu'à la ligne de but. Donc c'est mort, de toute façon c'est mort. Donc on va faire une cage parce que pourquoi pas. Mais ça sert à rien. Ah bah voilà, c'est raté. Allez, on relance, on est des fous. Et c'est re-raté. Voilà, comme ça c'est fait. Une petite sonnette parce que les armures ça ne sert à rien. Ouais, c'était un match vraiment pas facile quoi. Un mort, un blessé au premier match. Tous les jets qui ratent quoi. Les jets d'armure tout pourris. Enfin, on a vraiment enchaîné hein, sur ce match, on a vraiment enchaîné. Un échec, attention,
C'est la folie quoi. On se sent plus là, on commence à faire des échecs et tout. Ici on peut lui taper dessus parce que voilà, tapons lui dessus. Ok, tombe. Ici on va faire une agression, voilà, on va la faire hein. Parce que ça peut quand même faire de l'XP et puis vu comme il nous a mis tellement cher, on n'est plus à ça près. Ça rate. Alors, quelles seraient nos possibilités en un tour? Ici on pourrait courir, puis faire une passe. Ça sert à rien. Ça sert complètement à rien. Ici on pourrait blitzer pour se débarrasser de cette zone de tacle. Par exemple, hop. Nous on va lui mettre un cadavre dans les pattes, ça lui fera les pieds. Allez, on va essayer de faire des trucs, voilà, on va aller là. Puis on va se dire, ouais, coucou, salut, je suis une lanceuse, je fais une passe, allez, hop. 3 plus, 3 plus. Ouais, coucou. Voilà, c'était vraiment un match pas du tout facile, hein. On s'est fait défoncer. On s'est fait défoncer totalement. Il n'y a pas d'autre mot. Alors bon, on est un truc de niveau. On a fait un 3 pour les dépenses. On n'a même pas de quoi racheter notre 3 quarts quoi. On n'a pas de niveau bien sûr. Bon bah voilà, c'était c'était propre, c'était efficace. Ça fait bien plaisir. On est à 890 de TV, c'est la mort absolue quoi. Bon bah du coup pour le prochain match on sera en sous-nombre parce qu'on du coup on a effectivement elle sur laquelle j'aurais dû utiliser mon apothicaire au final. Bon bah tant pis, je l'ai pas utilisé. J'avais peur du coup de me prendre une mort sur un perso qui était plus coûteux. Et bah du coup j'aurais peut-être dû quand même l'empêcher de mourir Canary, tant pis. N'hésitez pas à me donner du coup un nom dans les commentaires pour le prochain joueur qu'on rachètera. Je le noterai, puis bah, on attendra d'avoir assez de sous. Hein. En attendant, j'espère que ce match vous aura plu, malgré comme il a été douloureux. Et je vous dis du coup au prochain. Merci à toutes et à tous.